Nous sommes sur les traces. Alors, quelqu'un a eu la colique. Et nous allons suivre ça gentiment. Alors, j'ai quand même le souvenir qu'il s'agit peut-être de ma mère. M'en demandez pas plus. Bonne année à tous, évidemment. Bon, au moins quand on a une maman comme ça et qu'on est bambin, bon, on la retrouve vite. Maman. Maman? Un visage familier. Même si ce visage on a bien trop vu. Vous avez l'air fatigué, inspecteur. Je peux vous remettre d'aplomb si vous voulez. Dis donc, coquine. C'est d'accord. Vous savez, comme avant. Qu'est-ce qu'on peut s'acheter? On peut rien s'acheter. Tout est à 1500. C'est hors de prix, madame, votre magasin. C'est un scandale. Sur Twitter, j'irai vous dénoncer. Et sur Google Maps, je dirai que votre shopping est une merdasse. Mais bon, on va pas refaire, on peut rien faire, quoi. À la place. On est venu là pour rien, quoi. Bravo. Ah bah bravo. Bravo la France. Oui, alors désolé pour le fond vert, hein. Il est dissident. Il sera dissident. Il a beaucoup de mal avec Final Fantasy, ça doit être la lumière, je ne sais pas, c'est bon, c'est top qui est merdique. Mais c'est pas grave, on réglera tout ça cette année. Ce qui est important, c'est que le son soit cristallin. Et ça, là-dessus, je vous ai fait une promesse. Et pour le moment, je la tiens. Vous êtes des vénards. J'aimerais bien être vous, en fait. Souvent, je me le dis, j'aimerais bien être vous. Vénard. Allez, hop. Oh, bonjour madame, au revoir madame. J'ai économisé 3000 balles. En lampe de mes couilles. Oui, ce soir ça va être un stream un peu vulgaire. Il est tard, on a le droit, les enfants sont couchés normalement. S'ils sont pas couchés, allez les coucher et revenez vite. Et revenez vite me rejoindre sur le stream. Lui, c'est notre pote qui se fait péter la gueule tous les lundis, non? Yagami-san. Oui, c'est Kim. Que je rappelle, parce qu'on ne le dira jamais assez, à ce faciès disgracieux, parce qu'il se fait péter la gueule tous les lundis. Regardez-le. Bienvenue au Beef Zone, prépare-toi. Ouais. Je suis toujours prêt. Comment vont les affaires ces jours-ci, Kim? Bah quoi, on lui avait jamais parlé avant? Il nous envoie plein de textos. Genre, on se connaît pas. Il m'envoie des textos, mais faut quand même qu'on se parle physiquement, quoi, de visu. Bon, d'accord, très bien. Bon, j'ai bien fait. Petit insolent, redonne ça ou je te poursacherai jusqu'aux confins de la terre, dans le trou du cul de ta mère. Ben, pour être honnête, c'est dur. Beaucoup de clients nous quittent pour le Canrail, notre principal concurrent. Ben, brûle-le. Si j'ai un conseil à te donner. Hein? Moi, je m'y connais un peu en affaires. Si t'as un concurrent, ben, tu brûles. Tu brûles son magasin. Tu vas voir, les clients ne pourront plus rentrer. Ils viendront chez toi. Ouais, si t'as besoin d'autres conseils, tu me demandes. Peut-être une amélioration au niveau de la sacoche. C'est ça, pochette améliorée. On passe de 32 à 38 balles pour le pistolet. Avec toujours cette matière que j'affectionne, hein, je vais vous le redire, en nylon. C'est un textile très 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 soyeux, très agréable. Et là, on a trouvé un petit peu de cocaïne, 10 grammes. Bon. Ah ah. Oula, 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 oula. Merde, mais oh. C'était une très très mauvaise idée. Je sais pas qui vous a éduqué, monsieur, mais c'était une très très mauvaise idée. Vous êtes tombé sur le mauvais cheval. Ah, je voulais faire le truc que j'ai débloqué. Et vous avez vu comment il est mort? Il est mort comme ça. Ça n'existe pas de mourir comme ça. Hein. On va faire une photo. Avant qu'il disparaisse. Ah, il a disparu. Merde, je fais la photo quand même. Un communiste. Cherchons un communiste. Ça va être difficile, hein. Il n'y en a plus beaucoup. C'est déjà trop, mais... Il en reste quelques-uns. Bon, là où j'habite, moi, dans le 15e, bon, il n'y en a pas beaucoup, hein. Pas vous mentir, le communisme là dans le 15e, Staline, les 6 millions de morts, 8 millions, hein, je crois. Hein. Enfin bon, on va pas faire de politique, mais il y a peu de communistes où j'habite.
On en est... Les gens sont revenus un petit peu. On dit, tiens, 8 millions de morts, bon, peut-être que le... Déjà, ça serait bien de changer de nom. Il y en a certains qui se sont dit. Mais ils n'étaient pas assez nombreux, donc ils ont gardé le nom. Reviens, gamin. Lily? Lily? Reviens, reviens, papa. J'étais à l'œil, Lily, hein. Où t'es? Lily? Ah voilà, Lily, j'étais à l'œil, je sais où tu vas, je sais là où ça va aller. Lily, Lily. Là, faut... Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a encore chié contre le mur? Elle a encore chié contre le mur, Lily? Du sang. Ah, du Dieu sang. de plusieurs jours. Pardon. J'espère que ce n'est pas. Hello, ben oui, il essaye de la violer, mais dis donc. T'as vu l'heure? C'est pas cette heure-là qu'on viole. En plus, moi j'ai trouvé un câble abîmé, tiens. Tu veux que je te. Tu veux le câble abîmé pour t'aider? Pardon, oh, on plaisante. J'arrête là parce qu'après on va encore se faire ban de Twitch. Pitié, laissez-moi tranquille. Hop, une petite herbe. Un petit peu de marijuana. Bon. J'aurais pas des propos qui peuvent tomber sur le coup de la loi, mais bon. Ça peut pas nous faire de mal, un peu de marijuana. Hein. Le territoire est hostile. Si on peut changer un peu les idées. Je suis de naturel conservateur, mais bon là, vu les circonstances, allez. Soyons pas trop cons. Même les alcooliques, là, prenez un petit verre de vin, hein, c'est bon. Ça compte pas. Ça compte pas. Bon, alors lui me vend des choses. Ben, c'est un communiste vendeur. Bah ben alors, t'es un communiste et tu fais du capitalisme? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ce paradoxe? Ah, et lui, évidemment, il fait un petit break. Qui n'aurait pas envie de faire un petit break? Hein, on a tous besoin d'un petit break de temps en temps. Surtout quand on saigne de la tête. Moi, un jour, je m'étais cogné, j'avais perdu beaucoup de sang. Je m'étais cogné dans un... Enfin, je m'étais cogné. J'avais fait un petit break. J'avais fait un petit break. Il venait de dire d'aller au truc district. Champion de district, vous allez voir. Ça, je le mettrai dans le best-of encore, hein. C'est mon don de clairvoyance. C'est bien toi. Oui, ma chérie. C'est bien moi. Oui, c'est moi. C'est Popo. J'ai fait un cauchemar. Oui. Chut. Je sais. C'est fini. Mais c'est fini. Le cauchemar est fini. Alors, je vais prendre... Putain, le cappuccino, il est à 500 euros. J'espère qu'il est bon. Je vais prendre une glace à la vanille, un Golden Mont Blanc, et c'est tout. Parce que je peux pas prendre plus. C'est cher ici, hein? 300 euros la glace à la vanille. Kinita. Et le Golden Mont Blanc est à 2000 balles. Ça, ikuka. Arigato gozaimashita. Ouais, je t'en prie. Ça fait un peu cher. Pardon. Ça fait un petit peu cher quand même. Un peu cher quand même, je trouve. Ah putain. Pardon. Je me fais rire comme un con.